Aujourd'hui, c'était la remise des prix, d'abord les finales, depuis ce matin 9h dans les clubs d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Donc les finales des interclubs jeunes des catégories 13-14, 15-16 et 17-18 ans. Ça fait pas mal de personnes à récompenser parce que chaque équipe est composée de deux ou trois joueurs, parfois plus. Et donc il y avait en tout 14 finales. En général, ces remises de prix de ces catégories d'âge, ils sont très friands. Enfin, ils sont toujours présents en tous les cas pour la remise des prix. Ils sont en général fiers de représenter leur club parce que c'est la seule compétition où ils sont en équipe et ils représentent leur club. Le tennis est un sport plutôt individuel, donc c'est vraiment le seul moment où c'est l'équipe du club qui est représentée. Il est directement rentré en demi-finale et c'était bien, enfin, on n'a pas trop galéré. Enfin, surtout, il y avait plein de filles de notre niveau et on a senti qu'on pouvait progresser. Quand on est en équipe, on doit plus compter sur les autres et on doit plus être stratégique. Ça s'est plutôt bien passé, on a quand même passé 4 tours. On est réussi à aller en finale et on a perdu mais on a tout donné et puis on est quand même satisfait de ce qu'on a fait. On a été finaliste 15-16 en division 2. L'expérience, on joue quoi et bah, on apprend et puis, on est satisfait après de ce qu'on a fait. Puis c'est des souvenirs aussi. Même si on perd, on est toujours content et puis, voilà. Aussi, notamment pour, je pense pour nous, il y a eu un peu l'expérience aussi du public. Derrière, il y avait beaucoup de soutien, il y avait une ambiance de malade. Du coup, ça participe aussi. Donc au début, ça met un peu la pression. C'est pas forcément bénéfique, mais bon, si on fait des championnats comme ça, l'année prochaine, sûrement, on va avoir l'habitude d'après, on va prendre plus de plaisir. L'objectif pour nous, c'est d'essayer de fidéliser tous ces jeunes pour que l'année prochaine, ils soient toujours présents sur ce genre de championnat. Qu'au printemps, ils soient sur les tournois des clubs du département et des départements voisins. Nous, notre objectif, c'est vraiment de les fidéliser et de les faire jouer pour les faire progresser. Thank you.